C'est plus de 100 candidats inscrits dans la base de données du Pôle national de promotion de l'emploi qui se sont manifestés suite au lancement de recrutement de l'entreprise Faubert Gabon. Le Pôle national de promotion de l'emploi a tenu à rencontrer les 10 candidats afin d'évaluer le niveau de compétence des candidats selon le profil recherché par l'entreprise Faubert Gabon. Alors, nous avons été saisis par notre partenaire Faubert Gabon afin de leur accompagner dans leur campagne de recrutement de 129 candidatures. L'objectif est de pouvoir identifier des candidats à travers leur motivation, à travers leurs compétences. Donc le but de ces entretiens, c'est de pouvoir évaluer la motivation des candidats et les compétences. Présents à l'évaluation, les représentants de Faubert ont tenu à assister à la rencontre. Nous sommes là aujourd'hui avec toute une délégation qui m'accompagne dans le cadre du suivi des hautes inspections du ministre du Travail et de la lutte contre le chômage en partenariat avec le programme national du Pôle de l'emploi pour un recrutement pour le compte du groupe Faubert. En effet, il y a quelques mois, je crois bien au mois d'août, si ma mémoire est bonne, le PNPE a émis une annonce sur un recrutement de 129 personnes pour le compte du groupe Faubert, répartis sur 36 postes. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour constater l'effectivité du recrutement des compatriotes gabonais. Spécialisé dans la vente des matériaux, Faubert Gabon entend s'allier à travers ce recrutement aux exigences des plus hautes autorités visant à davantage nationaliser ce secteur d'activité.